l'une des nombreuses missions de la COMPA, la communauté de communes du Pays d'Ancenis, c'est d'accompagner financièrement associations et collectivités dans le cadre de sa compétence action sociale d'intérêt de pays. En 2010, près de 274 000 euros ont ainsi été alloués à l'action sociale. Faisons le point justement avec Patrice Chevalier, vice-président animation et solidarité à la COMPA. La communauté de communes soutient le CLIC, hein, plus connu sous le nom de Bureau Info Aîné. C'est un lieu qui permet à toute personne âgée, mais également aux enfants, de se renseigner et puis de connaître les droits et puis les services qui peuvent être à disposition des personnes âgées. La communauté de communes intervient sur la prévention de la délinquance en soutenant un certain nombre d'actions. Cette année, l'action Plaisir et Risque portée par le CIVOM de Riaillé, mais également une escapade citoyenne là aussi sur les conduites à risque à destination des jeunes a été soutenue. Et beaucoup d'associations d'insertion sont également soutenues. Autre action qui est portée par la communauté de communes, eh bien, c'est le soutien à la PAIO, hein, la permanence accueil, information et d'orientation. Alors, nous avons également la Maison de l'Emploi et son cyberbase qui apporte là aussi un soutien important au niveau des jeunes. Et je ne voudrais pas oublier l'action essentielle du comité de bassin d'emploi, le CBE, qui réunit toutes les forces vives du territoire. La communauté de communes a à cœur de soutenir toutes les initiatives qui concernent l'insertion. On souhaite continuer nos efforts en faveur de ces associations. Et parmi les associations qui œuvrent en faveur de l'emploi, on peut citer l'association Vital, située à Bonneuvre. Elle a ouvert un chantier d'insertion sous la forme d'un jardin bio. Donc Vital, c'est un chantier d'insertion qui existe depuis 15 ans. Nos clients, c'est 60% des COP bio, hein, c'est Ancenis et Châteaubriant. Et autrement, des clients qui viennent justement le jeudi chercher des légumes sur place. En bio, donc depuis 16 ans, qui permet de proposer à 7 postes RSA de faire la culture. En fait, quand ils viennent ici, ils ont aussi un but d'améliorer quelque chose, soit passer un permis, soit d'améliorer des problèmes de santé, et donc il y a toujours un but. Une autre activité importante aussi, c'est le bois. On fait à peu près 60 mètres cubes de bois bûche et Vital, ou les personnes de Vital, organisent le chantier pour le déchiquetage. Donc c'est cette poste qui permet justement à des gens de se remettre au travail un petit peu et puis d'avoir un petit travail intéressant, parce que la terre, travailler la terre et de travailler les légumes, c'est une première approche à l'insertion, quoi. En 2009, la COMPA avait financé l'achat de matériel. Vital et la COMPA ont signé en 2010 une convention pour 3 ans. La COMPA versera 7 000 euros chaque année à l'association pour la soutenir dans ses projets.